Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon de Mercredi, invité, un Dieu prévisible. Dans différentes parties de la Bible, y compris dans le récit d'Ananias et Saphira, le Créateur du ciel et de la terre est présenté comme un Dieu qui sait tout et voit tout. Il connaît même nos pensées et les pèse, par exemple, Proverbe 21, verset 8. Il a l'autorité de juger et d'appliquer la justice car il est le Créateur omniscient. Nombre 14, verset 18, présente deux réactions possibles de Dieu face au péché de ses créatures, nous tous. La première nous semble encourageante car, bien qu'il connaisse nos péchés, Dieu est décrit comme étant riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. En revanche, sa deuxième réaction possible face à nos péchés semble inquiétante. Ici, Dieu est montré comme étant celui qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, dans la version Louis II. C'est cette dernière approche qu'il a utilisée avec Ananias et Saphira. Était-ce une approche arbitraire? Dieu est-il imprévisible, instable, dur, soumis aux passions humaine et peut-il de manière inattendue faire miséricorde à certains et condamner d'autres par pur caprice? S'il est ce genre de Dieu instable, peut-il être apaisé par l'abnégation ou les sacrifices? La Bible nous parle d'un Dieu aimant, hautement prévisible, qui se sacrifie lui-même, dont le comportement n'est pas sujet à variation, qui ne peut être soudoyé par aucun acte humain, les œuvres. Au contraire, alors que la race humaine méritait la mort, il a choisi de se sacrifier en devenant l'offrande et en mourant pour les péchés de tous. Il a porté sur lui le jugement et la vengeance que nous méritions, constituant ainsi notre seul espoir de recevoir la miséricorde. S'il est mort pour tous, alors pourquoi Ananias et Saphira n'ont-ils pas été traités avec miséricorde? Parce que c'est seulement lorsque quelqu'un reconnaît ses péchés et les confesse que la miséricorde devient disponible. Ceux qui ne confessent jamais leurs péchés, qui ne transfèrent jamais leur péché sur Jésus, finiront par subir la mort éternelle. Le jugement sera finalement exécuté sur eux parce qu'il est exécuté sur le péché où qu'ils se trouvent et le péché est avec eux. Les péchés transférés sur Jésus par la confession ont déjà été payés par notre Sauveur par sa souffrance et sa mort. Mais si les péchés ne sont pas confessés, ils restent avec le pécheur. C'est pourquoi le jugement les atteindra car ils se sont identifiés au péché. Contrairement aux Laodicéens qui n'ont pas confessé leur péché parce qu'ils avaient l'impression d'être bons à leurs propres yeux, David ne s'est pas fié à ses propres perceptions, mais a dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume 139, versets 23 et 24, version Louis II. Ne fuyant pas la culpabilité à tout prix, comme beaucoup le font aujourd'hui, David voulait connaître les pires détails de son cas, afin de pouvoir confesser son péché. Une fois confessé, le péché est déposé sur le Christ, l'offrande de Dieu pour nous tous, et le pécheur est pardonné. 1 Jean 1, verset 9. Et si avant de venir voir Pierre, Ananias et Saphira avaient dit « Seigneur, nous avons promis quelque chose sous la conviction du Saint-Esprit. Néanmoins, nous regrettons maintenant notre promesse. L'amour de l'argent et le manque de confiance ont raison de nous. Et nous avons honte de confesser que nous ne sommes même pas désolés. S'il te plaît, rappelle-nous ta bonté et donne-nous une vraie repentance. » Voir Romains 2, le verset 4. Nous t'en supplions, envoie-nous ton Saint-Esprit afin qu'il change notre cœur et nous rende semblables à toi. Dieu ne les aurait-il pas traités avec miséricorde au lieu de les juger? Oui, Vénège, méditez de nouveau Acte 5 et versets 1 à 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Qu'est-ce qui m'empêche de profiter de la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce qui m'empêche de reconnaître le pire scénario de mon cas et de confesser mes péchés à Jésus pendant qu'il en est encore temps? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.